Dans un article du magazine Famitsu paru le mercredi 6 septembre, Aonuma et Fujibayashi, le producteur et le réalisateur des derniers Zelda, ont fait de nombreuses déclarations sur Tears of the Kingdom au cours d'une interview. La nouvelle qui s'est répandue le plus vite est bien la confirmation qu'il n'y aura pas de DLC pour le jeu, et bien qu'il y ait beaucoup d'autres choses intéressantes à décortiquer dans cet échange, une déclaration particulièrement intrigante a été partagée par Fujibayashi au sujet de la chronologie de la saga. Le journaliste lui a tout d'abord demandé quel était le placement de Tears of the Kingdom dans la chronologie Zelda, en récapitulant le fait que Skyward Sword comptait les origines de la série et Breath of the Wild sa fin, mais que Tears of the Kingdom semble raconter également un autre récit sur l'origine d'Hyrule. Suite à cette question, Fujibayashi lui a répondu qu'évidemment il s'agit d'une suite de Breath of the Wild, mais surtout que dans la série Zelda, ils essayent d'inventer une histoire et un monde qui, je cite, « ne s'effondre pas », en précisant qu'il ne peut rien dire de plus pour le moment. Il peut être complexe de bien interpréter cette phrase traduite du japonais, mais en gros, il semblerait qu'il veuille dire par là qu'ils ne veulent pas que l'histoire et le monde qu'ils créent ne fonctionnent pas, et donc ratent ou s'effondrent par rapport à l'univers global de la série. Beaucoup de personnes ont interprété ça comme un aveu au sujet de la timeline Zelda, qui finalement n'aurait pas vraiment été mise de côté, ou qui du moins ne serait pas en contradiction avec les nouveaux jeux. Pour expliquer cette problématique, je vais d'abord résumer l'historique de la saga Zelda à ce propos. Skyward Sword, sorti en 2011, avait établi officiellement une chronologie tout en s'inscrivant à l'origine de la saga Zelda. À cette époque, on pouvait remarquer que tous les Zelda 3D avaient une logique chronologique. Majora's Mask était la suite d'Ocarina of Time dans le monde où Link était redevenu un enfant, The Wind Waker une suite dans le monde où Link avait vaincu Ganon, et Twilight Princess de nouveau une suite plus lointaine cette fois de la timeline de Majora's Mask. Les divers jeux 2D sortis entre-temps s'inscrivaient moins clairement dans la chronologie, mais globalement, on peut remarquer que les jeux principaux tâchaient de garder une certaine cohérence de placement entre eux. Il existait d'ailleurs à l'époque une timeline officieuse créée par les fans, et la communauté débattait régulièrement à ce sujet, mais il était clair qu'une continuité existait, même si elle était parfois bancale, surtout quand il s'agissait des jeux 2D. Et c'est à ce moment-là que Skyward Sword a officiellement créé le lien entre tous, notamment avec la sortie d'Hyrule Historia pour fêter les 25 ans de la licence. Mais c'est alors qu'à la sortie de Breath of the Wild, alors que beaucoup de joueurs s'étaient empressés de chercher quel était le placement exact du jeu dans la chronologie fraîchement établie, on s'était retrouvé avec un monde qui faisait référence à la plupart des anciens jeux, parfois même provenant de timelines différentes et donc normalement impossibles à associer. Au fil des débats et des interviews, il s'était avéré que Breath of the Wild ne possédait pas de placement précis, il était juste dans un futur si lointain par rapport aux anciens jeux que tout ce qui précédait son univers était qualifié de légende, ce qui justifiait selon les concepteurs du jeu que tout soit mélangé. En fin de compte, ils ont répété à de nombreuses reprises que c'était surtout pour ne pas brider leur créativité et se permettre de créer un nouveau monde avec une nouvelle histoire sans pour autant être contraint par cette chronologie qui semblait plus représenter un fardeau qu'autre chose au final. Car il est vrai qu'on peut admettre que l'officialisation de la chronologie Zelda faisait aussi partie du marketing de Zelda Skyward Sword et qu'elle était surtout utile pour ça en plus de faire vendre le livre Hyrule Historia. Mais en fin de compte, malgré le fait qu'elle contienne certaines continuités logiques et cohérentes, on peut aussi remarquer que certains liens ont été bricolés pour essayer de placer des jeux dans une timeline alors qu'ils n'avaient pas vraiment été conçus pour en faire partie en premier lieu. C'est notamment le cas de plusieurs jeux 2D de la timeline de la défaite qui avaient été créés pour tenter d'expliquer pourquoi Ganondorf avait la Triforce en entier dans A Link to the Past, qui se voulait être à l'origine l'histoire racontant les origines de Ganon, mais qui avait été contredite par le scénario d'Ocarina of Time qui s'était voulu être une nouvelle préquelle de la saga. En fin de compte, des années après la sortie de Breath of the Wild, il a été considéré que la chronologie avait été mise de côté, ou du moins, n'avait plus d'importance significative, étant donné que le jeu se trouvait dans un lointain futur sans s'inscrire dans une timeline particulière, ce qui serait en théorie impossible, à l'instar de l'existence conjointe des Piaf et des Aura. Certains ont alors plaidé pour la théorie de la convergence des timelines, d'autres pour un reboot ou soft reboot de la licence, mais globalement, la majorité des joueurs avaient compris que le jeu n'avait pas été conçu pour s'inscrire précisément dans la chronologie, et que ça avait permis aux développeurs d'être libres de créer l'histoire qu'ils veulent. Mais on pouvait tout de même remarquer que le jeu gardait sa cohérence avec Skyward Sword, le jeu originel de la licence, par l'existence de l'épée de légende et même le son de Faye, l'esprit qui y est enfermé, ou encore le pouvoir du sceau de Zelda qui sous-entend la présence de ses origines divines et sa perpétuelle réincarnation, ou encore les diverses mentions et statues de la déesse Ilia. On retrouve même des références précises à certains autres jeux, notamment Ocarina of Time, qui est après tout à l'origine de chacune des timelines à la base, avec entre autres, la pierre de mémoire parlant de la princesse Ruto et des événements du jeu, ainsi que la présence du Temple du Temps dans le plateau du Prélude, qui était précisément celui d'Ocarina of Time. Breath of the Wild était donc un Zelda ayant bien eu lieu dans l'univers de Skyward Sword et Ocarina of Time que l'on connaissait tant, mais qui avait su prendre de la distance avec les anciens jeux pour proposer quelque chose de nouveau sans se soucier d'être en contradiction avec quoi que ce soit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pensait que le fléau Ganon dont l'origine était oubliée provenait de Ganondorf qui existait dans des temps très anciens, celui que l'on connaissait. Mais il s'est avéré que Tears of the Kingdom a complètement changé ce postulat.
car la suite directe de Breath of the Wild a raconté une histoire remontant à bien plus loin que la guerre des créatures divines contre Ganon, et nous montre les origines du royaume d'Hyrule avec les Sonao, ainsi qu'un nouveau Ganondorf et une nouvelle histoire, avec une nouvelle guerre du sceau, dans un ensemble qui rappelle fortement l'histoire d'Ocarina of Time, mais qui n'est pas la même. À ce moment-là, le scénario du jeu semblait complètement confirmer la thèse du reboot de la saga. Car là, il n'était même plus question de l'existence même d'Ocarina of Time, bien que le jeu restait, selon moi, cohérent avec Skyward Sword, dans la mesure où le royaume d'Hyrule n'y existait pas à cette époque, et donc que des millénaires pouvaient très bien s'être écoulés entre les événements de Skyward Sword et l'arrivée des Sonao. Cela pouvait d'ailleurs expliquer la mystérieuse absence de la Triforce, car bien qu'elle soit beaucoup représentée par la symbolique Sonao et qu'on puisse voir son symbole apparaître sur Zelda dans Breath of the Wild, elle semblait plutôt être reléguée au rang d'easter egg que de véritable pouvoir suprême ayant un impact sur l'histoire. Elle a même été remplacée par les pierres occultes en tant qu'objet de convoitise de Ganondorf. Mais donc en fin de compte, voilà quel était l'état d'esprit de beaucoup de joueurs après la sortie de Tears of the Kingdom. Ce jeu avait confirmé pour la plupart que l'histoire était complètement nouvelle et que les développeurs ne s'étaient pas vraiment souciés des anciens jeux pour être complètement libres, malgré les multiples références. Et donc finalement, Ocarina of Time n'avait plus vraiment sa place dans le passé lointain du jeu, malgré ce qui avait été établi par Breath of the Wild. C'est alors que dans sa déclaration, Fujibayashi semble au contraire dire qu'ils essayent de garder un minimum de logique pour que les anciens jeux puissent continuer d'exister dans l'univers global de la série en quelque sorte. Et ce, malgré le fait qu'ils soient mélangés et relégués à un passé lointain. Cette déclaration est plutôt cohérente avec ce qui a été fait dans Breath of the Wild, où plein de références aux anciens jeux existaient. Mais c'est dans la deuxième partie de sa déclaration que ça devient particulièrement intéressant. Il parle du fait que si l'univers du jeu reste cohérent, alors les fans peuvent réfléchir par eux-mêmes aux différentes possibilités concernant la logique de chronologie des jeux entre eux, et donc qu'en somme, l'histoire de Tears of the Kingdom ne rentrerait pas nécessairement en contradiction avec les autres jeux si on parvient à trouver une explication. L'exemple qu'il prend est le fait que si l'histoire de la fondation d'Hyrule existe dans Tears of the Kingdom, rien n'empêche le fait qu'elle puisse avoir été faite après la destruction d'un Hyrule antérieur, tout en précisant que contrairement à ce que beaucoup de joueurs s'étaient mis à penser, ils n'ont pas créé l'histoire du jeu par hasard sans y réfléchir au préalable. Et alors cela expliquerait comment l'histoire de Tears of the Kingdom pourrait exister dans le même univers que Ocarina of Time, par exemple. Il suffirait de se dire que tout se passe dans un futur si lointain par rapport aux anciens jeux, que même la fondation d'Hyrule par les Sonao avait eu lieu dans un lointain futur après la destruction d'un ancien Hyrule. Forcément, cela ferait poser de nombreuses questions sur le fait que l'histoire se répète au fil des âges, mais le fait que Ganondorf se réincarne et ressemble beaucoup à son prédécesseur n'est pas si contradictoire avec le fait que Zelda et Link se réincarnent eux aussi, et encore une fois, cela reste cohérent avec Skyward Sword qui avait établi la malédiction de l'avatar du néant, et cela explique également pourquoi on peut toujours entendre Faye dans ce jeu, ce qui confirme quelque part que malgré les changements et les contradictions, l'origine de la saga reste la même. Cette déclaration de Fujibayashi a donc créé énormément de remous au sein de la communauté et remis en question de nombreuses perspectives. Bien sûr, il reste possible que ça soit un exercice de communication de sa part, mais rien ne l'aurait obligé à donner une telle réponse. Il aurait pu se contenter de dire que la chronologie n'était pas la priorité, tout comme ils l'ont fait à de multiples reprises lors de précédentes interviews. Mais là au contraire, il a semblé avoir accordé de l'importance à l'existence des autres jeux dans le même univers. On pourrait aussi interpréter cette déclaration comme un message aux fans en leur demandant de se faire leur propre interprétation, et comme il l'a dit, imaginez les parties de l'histoire qui n'ont pas été racontées. Ça s'inscrit d'ailleurs dans la philosophie de Breath of the Wild et surtout Tears of the Kingdom, où de nombreuses zones de flou sont laissées volontairement pour permettre de créer du mystère et stimuler l'imagination des fans. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison qu'ils ont montré l'esprit du héros ancestral dans le jeu, sans en montrer plus par exemple, ce qui a apporté bien plus de questions que de réponses, mais c'est un sujet dans lequel je parlerai dans ma prochaine vidéo. Ce qui est sûr, c'est que suite à cette déclaration, ma propre vision des scénaristes du jeu a évolué, et je me demande maintenant si eux-mêmes n'ont pas gardé dans un coin de leur tête cette idée de chronologie, ou au moins de lien entre les jeux, ce qui ne les empêcherait pas après tout de garder une liberté totale de création, s'ils utilisent la même logique que Tears of the Kingdom. Tout ça permettrait aussi d'expliquer ce virage à 180 degrés opéré après Skyward Sword qui prenait à cœur la chronologie et l'avait officialisée avant de l'avoir mise de côté dans Breath of the Wild. En fin de compte, son aspect marketing garderait peut-être une importance aux yeux des développeurs car Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont eu un succès tellement phénoménal que je ne serais pas surpris que les futurs jeux y fassent référence et se passent dans un potentiel lointain passé ou futur de ces jeux tout en apportant des personnages complètement originaux et en créant un prétexte pour changer Hyrule ou même nous montrer une histoire en dehors du royaume. Skyward Sword HD, par exemple, quand il était sorti en 2021, avait mis en avant les origines de l'épée de légende dans son marketing, afin d'attirer les joueurs de Breath of the Wild qui ne connaissaient pas le jeu. Je ne serais donc pas surpris que cette approche soit réitérée pour de futurs Zelda complètement originaux. Le tout sera sans doute pour eux de garder quand même cette liberté acquise depuis Breath of the Wild dans le traitement des anciens jeux et dans la création de nouvelles histoires, tout en laissant une marge d'imagination aux fans pour qu'ils puissent créer des liens s'ils le veulent.
C'est en tout cas l'impression que me donne cette déclaration de Fujibayashi, qui semble accorder plus d'importance à cette problématique que ce que j'imaginais. Mais maintenant, je me demande à quel point le prochain Zelda s'inscrira dans l'univers existant du jeu, et à quel point il fera référence aux anciens, que ce soit les deux précédents jeux ou ceux d'avant. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il que mon avis sur la timeline Zelda s'en est retrouvé plus nuancé. Pour moi, elle était importante entre Ocarina of Time et Skyward Sword, et ça s'est ressenti dans l'histoire des jeux. Mais depuis Breath of the Wild, j'ai trouvé qu'elle était en quelque sorte devenue un fantasme, même si je continuais de penser que la cohérence avec Skyward Sword et Ocarina of Time était la seule qui avait été respectée. Ce qui était logique vu que c'était les deux jeux qui précédaient les divergences de timeline. Et puis ça me paraissait logique qu'au moins Skyward Sword soit respecté, étant donné qu'il comptait les origines les plus lointaines possibles, et qu'il avait été scénarisé et réalisé par Fujibayashi, qui s'est ensuite chargé de la réalisation de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. J'accorde donc un certain crédit à ces déclarations quand il s'agit de l'histoire des jeux Zelda, et cette dernière interview du Famitsu me laisse penser que malgré les libertés prises par les deux précédents jeux, les autres n'ont pas été autant mis de côté que ce que j'imaginais. Après, je reste conscient que certaines autres déclarations, notamment d'Aonuma, allaient plutôt dans le sens inverse en priorisant la liberté d'écriture au détriment du respect de la chronologie, mais maintenant, je me dis que l'un n'empêche pas forcément l'autre. Pour moi, la timeline n'est peut-être plus autant un fantasme que ce que je pensais, mais je pense quand même qu'ils continueront de ne pas trop se contraindre par rapport à elle, même s'ils feront en sorte qu'une explication puisse toujours être trouvée pour prouver son existence. Cela dit, je garde un avis nuancé et ouvert sur la question. Et vous, que pensez-vous de ces déclarations de Fujibayashi au sujet de la chronologie des jeux Zelda? Quel était votre état d'esprit à ce sujet à l'époque de Breath of the Wild, puis de Tears of the Kingdom? Votre vision de la saga et votre avis global avaient-ils changé ou non? N'hésitez pas à me répondre en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu en rapport avec Zelda. Et d'ici la prochaine vidéo qui parlera certainement de l'esprit du héros ancestral, portez-vous bien et bonne journée à vous.